Aujourd'hui, je te donne une nouvelle recette. On va réaliser un pain à la banane fourré au chocolat et avec des petits raisins secs. Regardez. Regardez comment c'est moelleux et extrêmement gourmand. C'est parti pour la recette. Tu prends tes bananes mûres comme ça, tu vas venir les écraser avec une petite fourchette. Tu rajoutes un œuf et ta levure boulangère. Tous les ingrédients, tu les trouves en premier commentaire. Tu mets le beurre fondu et les raisins secs. Ensuite, tu vas rajouter ta farine et le sel. C'est tout. Tu mélanges ta pâte comme ça et tu vas venir laisser reposer pendant 1 heure à couvert. Au bout d'une heure, tu vas venir la verser sur ton plan de travail préalablement fariné. Tu tapes un peu avec ta main comme ça et tu vas venir les tailler en 9 portions. Après, tu réalises des petites boules avec ta main et tu mets ça sur ton récipient qui va au four, préalablement huilé, bien sûr. Ensuite, on va laisser reposer à nouveau 30 minutes. Et là, ça a bien gonflé. On va venir faire une petite déco avec de la farine et une fourchette. C'était pas obligé, mais ça rend beaucoup plus joli. Ensuite, on fonde ça à 190 degrés pendant 20 minutes. Et regardez, au bout de 20 minutes, c'est délicieux. C'est gourmand, c'est bien cuit. Moi, je les ai fourrés au chocolat, mais tu peux le laisser nature ou mettre un peu de confiture. Et voilà, regardez l'intérieur. C'est vraiment délicieux, c'est super bon, très rapide cette recette. On passe à la dégustation. Non mais c'est trop bon. Si t'as aimé, abonne-toi pour d'autres recettes. Ciao, ciao, bye!